toi tu dégages. Encore me dire que je pue là. Toi tu dégages lors du combat mon ami. Évidemment. Il faut bien un chargement déguisé. Alors attendez, du coup, avant on passe par le marchand. Ah oui, c'est ouf hein. Ah, c'est le moment du lance-roquette là je pense. On y est enfin. Ah, ça va pas durer 50 minutes hein. Ah coup que si, si on fait dessus. Après si je me rappelle bien, parce que pour le coup autant le reste du DLC je m'en rappelais plus trop. Par contre là à la fin, il me semble qu'il y a un dernier combat. Avant de donner le lance-roquette. C'est pas très discret, mais... Les travaux sont terminés, l'île dispose enfin d'un réseau d'antennes de haute précision. Grâce à cela, nous allons pouvoir intercepter et surveiller les activités des organisations hostiles, y compris celles des renseignements américains. Rien ne nous échappera. Dans un premier temps, cela nous permettra de rassembler des informations pour le jour de l'enlèvement, de quoi garantir notre succès. Nous allons montrer au monde que la sécurité de ce pays n'est pas aussi infaillible que ce qu'ils veulent nous faire croire. Jack Krauser. Attendez. Ah, j'ai déjà tout chargé. Pourquoi c'est pas sur le TMP ça? Oui. Pareil ce truc là. Ça a été pas dans le... Ça a été dans le jeu de base. Mais pas dans le remake. Et du coup l'homme est là. Normalement ça je le fais avec Léon et Ashley. J'ai l'impression qu'il y a ils ont... Ouais je me souviens aussi que t'en avais parlé. Ouais et du coup il y a des... voilà. J'ai l'impression qu'ils ont, ils ont mis du coup des trucs... Ah putain. Attendez. Faut que je mette la lunette... Et hop là. Oh vas-y. D'abord les lance-roquettes et après je m'occuperai du reste. Ouais. Bon. Oh, ils font tellement mal. Et casse-toi. On va pas gâcher des balles pour rien. Super. Après dans le jeu de base c'était quand même plus long. Parti là. On y jouera en vrai à l'original. En VR je suppose. C'est la version VR que j'ai. Pour voir... Oh merde, il y avait un trésor ici. Attends, ou alors c'est... Oh, c'est après, non c'est après. Par contre ouais, l'original il pique un peu les yeux. Hein. Même en VR. Surtout en VR. Mike. Ça me fait vraiment... Bienvenue. En quoi puis-je t'être utile? En quoi tu m'as utile? Augmenter Modeler. Rien en fait, rien. Répondre à tes besoins. J'étais ça juste pour le fun. Ouais. J'espère. Attendez. Bienvenue. Faut que je fasse ça aussi. Petite clé. On sait jamais. Je peux peut-être l'utiliser pour le prochain. Ah mais non, ça je les garde pas. Ça. Je sais pas. Oui, ça je pourrais en avoir plus besoin ça. Fais-nous signe quand t'auras fait de la place. Ça c'est une valeur sûre. Voilà. Est-ce que... Fusil à pompe. Tiens quand tu veux surtout.
Ouais, bon, je vais pas l'utiliser. C'est juste pour l'acheter, pour l'avoir. Pour une New Game Plus. Alors. Il y a un trésor par là? Non, c'est après. Et il y a 3 Novistador. Ouais, ça va, ça devrait aller. Une tour radio. C'est là que je dois aller. La zone est bien gardée. Faut que je sois prudente. Ah ouais. Du coup, le trésor il est où? Il y a pas mis le. D'accord. Ah oui, non, d'accord. Je peux même pas les attaquer en fait. Mais comment ça s'est passé? D'accord. C'est vénère ici, tu crois? Oh. Merde. Je peux le tuer ici. Ah ouais, ok. Et de 1. Je fasse le tour pour l'autre. Bon alors est-ce que je peux récupérer le trésor direct? Non, ils n'ont pas mis le. Qu'est-ce qu'il veut? Eh merde. Ah yo yo, oh, oh, d'accord. Je suis explosé avec. J'ai pas de soins. Cool. Bien ça. Elle a un peu mal la tête là. Petite migraine là. Viens là, venez là. Parce que je s'explose tous d'un coup là. Juste aller derrière lui. Non, ça marche pas. Voilà. Ouais. Fabriquer, c'est une mitraillette. C'est quoi?
Je suis à sec. Sors le pompe là. Mais crever en fait. Non, raté. Mais crève. Faut aussi crève là. Eh ben, boom headshot, boom headshot. Alors, voilà. Maintenant, on peut aller récupérer le trésor. C'est pas décidé, non, il veut pas mourir. Hein. Le truc sort de la tête des gars, on dirait le manga Parasite. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Et encore, t'as rien vu venir. Hier, il y avait des trucs bien plus dégueux. Ça marche pas ça. Qu'est-ce qu'il raconte lui? Oh là là, oh là là. Voilà, un petit cadeau. C'est là, faut y aller là, faut. Voilà, c'est tout ce que j'ai là. Voilà. J'ai un peu t'en tirer. Trop facile le mode hardcore là, il me faut le mode pro là. Fabriqué, mission de mitraille. Pas de trésor. Oh, wow. Dangereux ça. Passer ? On passe hein. Oh, décidément, on peut jamais être tranquille. Et voilà. J'avoue. Ah, attendez. Je vais viser de l'eau pas. Ouais. Ah genre, ça t'a pas tué. Ouais. Et donc. Comment je redescends du coup si je fais ça? Par là? Ah ouais. Tout simplement.
Tac, tac, et on fait une mission de... grenade lourde, vas-y. Non. Ok. Ça. C'est ton truc là. Le Renan au final j'utilise pas. Hein. Je vais juste le renvoyer au coffre. Hein. Plus de la place pour rien. On est pas loin de la fin là. Ah oui, bah du coup j'ai déjà explosé. J'ai explosé à distance. Et hop là. Il faut que je trouve le terminal. Yep. Connecter le dispositif. Ah non, mais rien à voir, c'est pas du tout un lance-roquette en fait. Lui, il s'est planté. Oh, on est dans Matrix là ou quoi? Ça va. Ouh, trop compliqué. Ah, c'était plutôt marrant. Non, y'a pas eu de moment comme ça. Pas vraiment de réplique, hein, importante là. Après le DLC est plus court aussi. La poursuite de nos recherches, cette île nous permet d'y voir plus clair au sujet de l'ambre. Même s'il reste bon nombre d'inconnus, l'utilité de l'ambre n'est plus à démontrer. Bien qu'il soit encore endormi, il existe une grande influence sur les autres parasites, allant jusqu'à les renforcer. J'ai la conviction que ce mécanisme repose sur l'optimisation de la relation entre les parasites et leurs hôtes. Au cours de nos expériences, nous sommes parvenus à recréer cela chez l'un de nos cobayes. C'est un accomplissement majeur. J'aimerais maintenant tester son influence sur l'espèce supérieure de Plaga. Malheureusement, celle-ci ne se trouve que chez les cadres des Illuminados, et je doute qu'ils soient d'accord pour participer à l'expérience. Il faut que j'élabore un plan pour trouver des volontaires. Quelque chose me dit que c'est pas qu'un simple centre de communication. Bien vu, Ada. Comment t'as deviné? Les effets de l'ombre dépassent tout ce que j'aurais pu imaginer. Martinico était autrefois un sujet fragile et incontrôlable, méprisé pour sa difformité, mais au fil d'expérience, il a acquis une résistance hors norme et des capacités de régénération surprenantes, au point de devenir insensible aux armes conventionnelles. Malheureusement, tout n'est pas parfait. Il a beau être très fort, ses facultés mentales n'ont pas évolué d'un pouce. Dans le cas certes peu probable où il venait à s'échapper, il serait quasiment impossible de le maîtriser. Seuls ses puissants lasers sont capables de l'arrêter. Ah, quelque chose me dit que ce Martinico, on va le rencontrer. Je dis ça comme ça, on a bien 13 ans. C'est plus perspicace qu'Ashley. Ah mais Ashley elle était d'une perspicacité, mais laisse tomber hein. Martinez, Martinico. Ah bah le voilà, la Martinico. Bah ah bon. Tu crois? Je pense qu'il va fuir là. Ah c'est un verre du goût en fait, c'est un verre du goût bis. Non? Peut-être pas. Eh bah non! C'est ici qu'on se sépare. Il est pas très beau. Bof! Est-ce que t'as déjà vu un truc beau dans ce jeu? Ah, le caméraman, toujours le caméraman là qui met la caméra au mauvais endroit. Alors. Wada est jolie.
c'est vrai que... Mais je parle au niveau des ennemis en tout cas. J'imagine que mon nouvel ami est le résultat d'une expérience. Oh! Cette perspicacité! Toujours! Oh putain, mais hey, t'es trop forte, hein, franchement. T'es vraiment trop forte, Ada. J'ai pas deviné. Non, mais laisse tomber. Hein. Ah, le retour. Le retour de notre ami. Coucou. Je sais même pas l'attaquer, hein. Je pense que c'est comme. C'est comme. Mendes. J'ai même pas vu c'est les trésors. Je suis une. Ah, que tu vas aller par là. À gauche. Oh merde! Rapide. Le collier, ouais. J'en arrive à la conclusion que l'ombre peut aussi renforcer l'espèce supérieure de Plaga. J'ai bien fait de choisir Krauser comme cobaye. Les autres étaient trop méfiants, mais l'insatiable soif de puissance de Krauser a largement suffi à le convaincre de prendre part à mes expériences. Les résultats étaient excellents. La croissance de l'espèce supérieure dépasse aisément celle d'un parasite ordinaire. Krauser est sans contexte celui qui a gagné le plus de puissance. Mais ce que nous devons vraiment craindre, c'est le pouvoir qui se met à l'intérieur de l'ombre. Comment m'y préparer? Que faire s'il se réveille? Peu importe, rédiger ses rapports n'a plus vraiment de sens de toute façon. Sadler est venu me voir, l'ampoule qu'il m'a remise se trouve devant moi. J'en sais trop. Je sais parfaitement ce qui se passera si je me l'injecte. D'un côté, si je refuse, je signe mon arrêt de mort. Je ferais peut-être aussi bien de mettre un pistolet sur la tempe, la nuit va être trop longue. D'accord. Attends, mais du coup. Ah! Bah, c'est lui du coup! Je pense. Le mec qui parlait dans la note là. Ça pourrait être logique. Oh, Matrix. Ah, c'est... je m'en fais cette scène! Merde. De mieux en mieux. D'accord. Ah. Yep. C'est vraiment une matrice pour le coup. Mais clairement. Ah là, ça. C'est celle-là précisément. Je sais pas pourquoi je m'en rappelle exactement de ça, mais. Donc ça a été dans le jeu de base. 100%. Ça a rien de fou en plus. Non, ça a rien de fou, hein, vraiment. Ah. Celui-là, celui-là et celui-là. Après, peut-être que dans l'original, elle faisait, c'était un peu mieux. C'est pour ça que je me rappelle. Mais là, c'est vrai qu'il y avait rien de ouf. Ah, on appuie sur des boutons au hasard. Je suis connecté au terminal principal. Vous allez faire sauter toute l'île ? Y compris la fille du président. Il y a toujours un compteur. Ça risque pas de vous compliquer les choses? Il n'y a pas de place pour la demi-mesure. Les faibles doivent se sacrifier pour les forts. Assez parlé, va me chercher l'ambre. J'ai fait le nécessaire pour que tu puisses quitter l'île. Bien sûr. J'y vais. Ok, Louise.
Disait quoi déjà? Vous devriez le savoir, Wesker. Je ne vous obéis pas toujours. Ah, donc là on a la réponse de pourquoi il y a tout qui pète à la fin du jeu. Voilà, c'est pour ça. Donc c'est pas parce que ça a de l'heure à tout fait péter. C'est parce que Wesker et Adam ont tout fait péter. Il y a toujours Martinez. Hein. Martin du commandant. Ah, fou. Bah tiens, un lance de laser. Non, non. Et hop là. Voilà. C'est cette scène là. Ok. Tiens, Sadler. Ah, donc il y a un autre chapitre encore. C'est pas fini. C'est pas fini, c'est pas fini. Ouais, c'est déjà plus stylé. Bah voilà, c'est cette scène-là que je me rappelais. Bon, par contre, pour le coup, là, c'est vraiment le dernier. Ah, le truc là que. Cache les Léon le prennent à la fin. Là, vous, c'est vraiment le dernier parce que là, c'est. Bienvenue. Mais du coup, ouais, c'est la fin là. Ça sent clairement la fin là, clairement. Pas de doute. Ouais, c'est comment la fin, il n'y a plus rien sur la map. Après, il y a encore des trésors là. Ah, du coup, il va y avoir un marchand après, je pense. Encore. Peut-être pas tout vendre tout de suite en fait. Tech. 1, 2, 3 et 4. Bonus 3 couleurs. Non, bah non, j'ai pas. Ah, c'est quand même mieux celui-là. Après, si je fais ça. Quand t'as 1200, ouais, mais je peux avoir la même chose avec des rouges. Même mieux. Ok, vas-y, ça là. Bienvenue! Oh, je suis prêt à payer un bon prix. On va réparer ça. Je te souhaite bonne chance. On va prendre ça. Tu sais, j'ai pas toujours ça en stock, étrangère. Où est-ce que tu comptes mettre ça? Dans ta poche? Non. Mais bon. Bienvenue. Dans son cul, exactement, Kim. Mieux vaut prévenir que guérir, n'est-ce pas? Alors, Et c'est ça pour voir. Et voilà, comme tu l'as demandé. Dans le chargement, vas-y. C'est un travail qui demande de la finesse, étrangère. Objet. Maintenant, va.
va semer le chaos. C'est nouveau ça. Ce dialogue là est nouveau. On se met le chaos, let's go.